Bonjour Marion. Bonjour Isabelle. Alors lors du dernier conseil municipal du mois de juin, nous avons été informés au conseil municipal d'une motion qui a été déposée par la commune d'Aime-la-Plagne et de la Plagne Tarentaise concernant l'activité hydroélectrique du territoire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste ? Effectivement, les deux communes se sont mises d'accord pour en fait mettre en place une production d'hydroélectricité commune afin d'assurer une rentrée financière conjointe et en même temps d'assurer un certain contrôle sur la gestion de l'eau et de garantir un volume d'eau constant sur le ruisseau de Bonnegarde et de Lormande. Une entreprise privée qui va venir donc gérer ces deux ruisseaux-là en vue donc d'avoir une rentrée financière commune mais en même temps d'assurer un contrôle sur ces deux ruisseaux. D'accord, et pourquoi l'importance de la motion ? En fait, c'est très important parce que c'est pour éviter en fait un régime de concession de l'État. C'est-à-dire, en fait, avec le régime de concession de l'État, on aurait risqué en réalité que ce soit géré comme si ça avait été géré entièrement par une entreprise privée. C'est-à-dire qu'il n'y aurait eu aucune maîtrise sur la gestion de l'eau. Également, il n'y aurait aucune maîtrise sur les aspects environnementaux et également une rentrée financière moindre. Et en réalité, en fait, avec le changement climatique, il était inconcevable qu'on ne puisse pas gérer de manière autonome en fait, ces ruisseaux-là pour assurer donc un volume d'eau constant dans ces ruisseaux afin de garantir une production constante. C'est ça, en fait, un débit constant pour assurer le développement de la faune et de la flore qui entoure et qui entoure ces deux ruisseaux et qui sont nourris par ces deux ruisseaux. Aspect effectivement important. Merci pour toutes ces précisions, Marion. Merci à toi, Isabelle. À bientôt. Merci.